the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Derrière cette colline, c'est Anger Gulch, une ville tout ce qu'il y a de plus tranquille. On va s'y reposer et débarrasser en temps plan de ces puces. Moi, je dirais plutôt que ce sont les puces qu'il faut débarrasser de en temps plan. Saleté de chauve-souris, ça gratte. Ça gratte. Si Coster est élu, il n'y aura même plus de cailloux à manger. Pour une ville, tout ce qu'il y a de plus tranquille, c'est réussi. J'ai jamais rien compris au baseball. Vous auriez une chambre avec un bain chaud? Une chambre? Tu rêves, l'ami. J'ai même plus un seul placard de livres. Le général Custer est à Engelgulch. Il doit faire un discours. J'ai même loué mon comptoir. Allez, debout, mon gars, faut que je fasse ton lit. Mais vous êtes Lucky Luke, la légende vivante de l'Ouest. Le Lucky Luke, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je vous cède ma chambre. J'irai dormir dans la grange, c'est un honneur. La grange me suffira, merci. Lucky Luke, tiens, tiens. Général, Lucky Luke est à Anger Gulch. Lucky Luke, Lucky Luke, je n'oublie jamais un nom. Où ai-je entendu parler de lui? Bon, ça manque de confort moderne, mais à mon avis, ça vaut mieux que le lit du patron. Moi, je ne me plains pas, cowboy. Ah, oh, ça gratte, ça gratte. De l'autre côté aussi. Allez, viens, rentre en plan. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. D'accord. Je reste là et je garde le cheval. Hein? Oh. C'est grâce à des hommes tels que Lucky Buck que l'Ouest s'est construit. Et si Custer est élu président, il s'engage solennellement à ce que l'Ouest reste toujours à l'Ouest. Ouais, vive Custer! Vive Custer! Ouais! Et
excellent, vous avez été excellent. Lucky Luke est très populaire dans la région. Cette photo nous fera gagner 3 points, au moins. Ah oui, c'est vrai, les puces. En temps plan, couché. Tout va bien, Général. C'était une fausse alerte. Général ? Ils ont l'air de bien s'amuser ici. Non ! À lui ! À lui ! Pas le chien ! Pas le chien ! Porte la poisse ! C'est rien. Juste une légère commotion. Je le reconnais. C'est mon copain de régiment. Général, reprenez-vous. Vous allez perdre 5 points dans les intentions de vote. Comment un héros tel que vous peut-il avoir peur d'un inoffensif cabot? Custer rêve de ce chien. Toutes les nuits, le même rêve. Il est là. Il regarde Custer. Custer ne peut pas bouger. Et alors les pires calamités s'abattent sur Custer. Ne vous inquiétez pas, Général. On va s'occuper de ce chien. Bert Kirk. Mais non, il n'y a pas de danger, j'ai simplement une mission à vous confier. Pourquoi veut-il qu'on descende ce clébard? J'ai jamais descendu ce clébard. Est-ce que particulier dans le contrat? Là! Tu as entendu le vétérinaire, Rentemplant. Il ne faut pas lécher cette huile antipuce. Lucky Luke, trop risqué. On va d'abord le kidnapper discrètement et puis... Quick! Chouette, les copains de mon copain. Et les copains de mon copain sont mes copains. Oh, on voulait juste le caresser, hein? C'est plus fort que nous, dès qu'on voit un chien, ben, faut qu'on le caresse. Ah, pas vrai, Kirk? Tu l'as dit, Bert. On a déjà fini de jouer à chat? Dommage, j'adore jouer à chat. Avec Custer, les riches vont appauvrir les pauvres. Avec Grant, les pauvres vont enrichir les riches. Ça recommence. Limonade. Custer président. Allons, Général, souvenez-vous, première règle d'un candidat en campagne. Ah oui. Custer offre une tournée générale. Eh bien, patron, vous devriez être content. Les campagnes, ça fait marcher le commerce. Ah, ça, pour inviter à boire, il invite à boire. Mais il ne paye jamais. Tu as mis assez de mort au rat, Bert? De quoi tuer un troupeau de bisons, Kirk? À manger? Le bon miam miam. Bert, Kirk, à ma botte. C'est à la gamelle qu'on reconnaît les amis. Le chien. Où en êtes-vous avec le chien? À l'heure qu'il est, il n'est plus. Parfait. Nous allons pouvoir sortir, serrer les mains. Custer, président. J'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez. Custer, président. Il n'y a qu'en période électorale qu'on me serre la main. Les flamants roses ont mangé ma pâtée. Flinguez-moi ce chien! Vous allez vous mettre à dos, les amis des bêtes.
C'est pas prudent en période électorale. Je veux qu'on me débarrasse de ce sale kleps avant son discours de ce soir. Vous entendez? Avant ce soir. Ce chien a le mauvais œil. Mais non, général, c'est une idée. Kenneth, à ma botte. Oh. Vous m'avez demandé, général. Le journal! Avez-vous vu le journal? Vous êtes très bien sur la photo, général. C'est votre meilleur profil. Il s'agit bien de mon profil. Le titre, vous avez lu le titre? Lucky Luke dans notre ville. Et le sous-titre? Le général Custer est venu lui-même accueillir l'homme qui a arrêté les Dalton et Billy the Kid. Custer va faire fusiller ce journaliste. Je vous ai dit 100 fois qu'on ne pouvait pas fusiller les journalistes, général. Pourquoi ce bouseux de Lucky Pluck est-il plus populaire que Custer? C'est que lui, il arrête les bandits, général. Très bien, Kenneth. Amenez-moi un bandit que je l'arrête. Et des journalistes, arrangez-vous, hein. Mon vieux Jolly, demain matin à la première heure, on quitte la ville. J'en ai une de l'autre côté. N'oublie pas, Cowboy. Et toi, ça te dirait de gagner 1000 dollars? C'est simple, je t'aide à t'évader et tu te laisses arrêter et reconduire en prison par le général Custer. Et qu'est-ce que je ferais de 1000 dollars si je retourne en prison? Lorsque le général sera élu, tu seras amnistié, ça te va? T'as intérêt à voter Custer. C'est la première fois que je me sens une âme civique. Baby Bon s'est échappé. Il vous attend, général. Et le chien? Où en est-on avec le chien? Bert et Kirk maîtrisent la situation, général. Quelle chance d'avoir trouvé des copains avec qui jouer à cache-cache. J'adore jouer à cache-cache. Et si on faisait le chat, ça l'attirait sûrement. Miaou. 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 Ah, ça, c'est un... dindon. J'ai toujours été très fort pour reconnaître les animaux à leurs cris. Miaou. 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 Belle journée, hein, n'est-ce pas? C'est ce que j'allais dire. Miaou. Baby Bon, ce bandit va encore tout casser. Ne vous inquiétez pas, les amis. Custer s'en occupe. Custer sait quoi faire pour que les honnêtes américains vivent en parfaite sécurité. Il enverra tous les bandits, les outlas, les traînes savates de tout poil dans l'Idaho. C'était un idiot qui ne sert à rien. Il bâtira un mur tout autour et les enfermera. Il y mettra les ponts rouges avec... et par-dessus le marché. Avec Custer, ça ne traînera pas. Custer est un homme de parole. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Y a personne qui vient m'arrêter? On vient, on vient. Hein? Lucky Luke! Lucky Luke! Il vient d'arrêter Baby Bo! Il le reconduit en prison! Lucky Luke, c'est un homme de parole et un homme d'acte! Dommage qu'il se présente pas à la présidence! Je voterai pour lui, moi! Moi aussi! C'était une très mauvaise idée, Kenneth! Mais enfin, général, c'est vous qui... Une très mauvaise idée, je vous dis! Où est mon public? Et tu lui as filé une fessée? Ouais. Vous entendez, les gars? Il a filé une fessée à Billy the Kid. Ouais, Billy! Hé, Ellie Dalton, raconte comment tu les as capturés. Les Dalton? On va y passer la nuit. Bah, on a tout le temps, n'est-ce pas, les gars? Ouais! Vas-y, Luke, ouais, raconte! Luke.
Ils sont tous au saloon, général. C'est du sabotage. Mais Custer n'est pas du genre à capituler. Puisque c'est comme ça, il va faire son discours pour lui, tout seul. Le chien, vous lui avez réglé son compte? Non, général, nous l'avons cherché partout. Il doit avoir quitté la ville, sinon nous l'aurions trouvé. Je l'espère pour vous. Ils me trouveront jamais ici. Je suis le roi du cache-cache. Habitant d'Angergulch, fier pionnier. Le ciel a beau se liguer contre Custer, Custer poursuivra son discours. Habitant d'Angergulch. Il n'a payé aucune des tournées générales. Je ne veux plus entendre parler de ce bled. Waïa! Je me suis coupé. Si nous n'avions pas laissé entre ce chien et nous plusieurs dizaines de miles, je jurerais qu'il est là. Tout près. Ils me trouveront pas. Ils me trouveront pas. Je n'ai pas vu en temps plan aujourd'hui. Il s'est peut-être noyé. Dans un coin aussi aride, ça lui ressemblerait. Il n'aurait tout de même pas pris le train. Bon débarras. Vite, Jolly, il faut rattraper le train de Custer. Juste après le petit déjeuner, tu es dur avec moi, cowboy. Aïe, youhou ! Je me suis brûlé avec ce fichu café ! Attendez, général, je vais vous servir. Que se passe-t-il? Un essieu cassé. Le chauffeur dit qu'en 30 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. Il est dans le train! Je suis sûr qu'il est dans le train! Fouillez partout! Trouvez-le-moi! Et zigouillez! Hein? Un pont rouge! Il narque Custer! Que fait-on, général? On lui a répété 100 fois de ne pas courir après les Indiens, mais c'est plus fort que lui. Tayo, Tayo! Un bon Indien est un Indien mort! Crotte! Je me fais avoir à tous les coups. Il a pas l'air de revenir. Non, pas l'air du tout. Et Kurt, il avait raison. On joue plus à cache-cache? Tout va bien, Rentemplant? On est assez nombreux pour faire un ballon prisonnier. Ça vous dit? Que se passe-t-il ici? Le général a pris un Indien en chasse. Et vous l'avez laissé partir seul? Il n'y a pas de clause concernant les Indiens dans notre contrat de protection. Télégraphier pour demander du renfort. Je vais voir ce que je peux faire. Tu as ton télégraphe portable sur toi? Ah, il préfère jouer à chat-perché? Custer vous boutera hors des États-Unis! Il vous renverra d'où vous venez, en Inde! Le petit visage pâle est teigneux, mais brave. Patromino lui réserve donc le sort des braves. L'épreuve de la flèche. L'épreuve de la flèche? C'est quoi ça? Dès que Patromino aura tiré sa flèche, le petit visage pâle se mettra à courir. Les farouches guerriers ne le poursuivront pour le massacrer que lorsque la flèche aura touché le sol. L'épreuve de la flèche? Il y a peut-être un moyen. Custer refuse de courir. Si le petit visage pâle ne court pas, nous lui ferons subir l'épreuve des fourmis rouges. Cinq, quatre, trois, deux... Ah!
C'est ce qu'on appelle un tir de couverture. Nana Bozo, le grand lapin, protège le petit visage pâle. Patromino ne veut pas se mettre Nana Bozo à dos. On rentre au tipi. Ce n'est pas une bonne journée pour chasser l'homme blanc. Lucky Luke arrive toujours à temps, général. Grâce à qui? Oh, les renforts, enfin! Quand où est-il parti? Était-il accompagné? Comment était-il habillé? Savez-vous ce qu'il a mangé hier soir? Le général était habillé comme d'hab... Mais non, Lucky Luke! Custer boutera les Indiens hors des États-Unis! Là, regardez, il ramène Custer! Une déclaration, Lucky Luke? Non. Custer boutera les Indiens hors des États-Unis! Il les renverra d'où ils viennent! En Inde! Copain? Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse! C'est mon flash qui vient d'exploser! Et puis les chiens! Custer jure que s'il est élu, il fera exterminer tous ces sales clébards! Oh, l'Amérique entrera en croisade contre tous les corneaux, les roquets et autres lulus à leur mimir! Il vient de perdre 30 points dans les sondages. Les chauves-souris, elles sont revenues! Général, général! L'état-major vous propose un commandement! Une bonne guerre contre les Indiens, ça vous fera regagner 30 points, au moins! Le 7e de cavalerie. Où dois-je le retrouver? À Little Big Horn River. Ah, George Armstrong! Il semblerait que la chance te sourie à nouveau! De si bons copains, ça se quitte pas! I'm a bold, lonesome cowboy.